Alors, les arts, euh, la créativité, la culture, tout ça, dans le fond, il euh, euh, y a des liens euh, indéniables entre tout ça. Moi, l'image que j'ai quand je pense à ça, pour répondre à cette question-là, je pense à la, à la pyramide de Maslow. Euh, je pense que les gens connaissent ça. Donc, dans le fond, c'est une pyramide par un, qui a été... Euh, l'image de la pyramide qui a été euh, euh, comme... Euh, déterminé par bon, un psychologue dans les années 40. Et euh, dans, dans notre évolution, dans, dans, dans notre affirmation de soi, dans, dans notre vie et, et notre confort et notre sérénité, il y a des besoins de base qui sont bien sûr, euh, euh, dans un pays comme le nôtre, puis bon, je veux dire, à la, ma la majorité des Occidentaux, ces besoins-là sont comblés, avoir euh, de quoi manger, se vêtir, se loger et ensuite besoin de, de sécurité d'affection et tout ça et au sommet de la pyramide c'est en haut de l'estime de soi il y a il y a la réalisation de soi l'actualisation de soi de ses talents et je trouve que le fait d'avoir une activité ou d'avoir accès à une activité euh, qui est créatrice qui est la culture qui est les arts qui peut être euh, la musique ou la danse ou enfin le théâtre peu importe la peinture euh, c'est vraiment ce qui nous permet de, de, justement de, de, de se réaliser, euh, d'être bien dans notre peau. Et euh, ça, c'est vraiment, en fait, ce que je souhaite à tous les humains. Et ce n'est pas tous les humains qui ont accès à ça. Alors, euh, moi, c'est l'image à laquelle je pense euh, que la place occupe dans ma vie. Mais c'est une place importante aussi parce que les choix que j'ai faits tout au long de ma vie, dans mes études et euh, dans mon travail, ça a toujours été relié aux arts. Dans mon cas, c'est particulièrement euh, la musique. Mais euh, si j'élargissais un petit peu, dans le fond, c'est la créativité que nous procure, la possibilité d'être créatif que nous procure euh, l'exercice d'un art. Et de plus en plus, on entend les, les, les entrepreneurs et, bon, et les organismes et les gouvernements parfois nous parler de créativité dans tout ce qu'on fait, peu importe le domaine dans lequel on est. Alors, je pense que évidemment, euh, je trouve que c'est une idée, un concept qui me, qui me plaît, parce que euh, je pense qu'on peut apporter de quoi, de, 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 davantage inédit, qui nous permet de se réaliser quand on fait preuve de créativité, d'inventivité, euh, dans, 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 dans ce qu'on exerce comme métier. Et évidemment, si on a la chance, ou enfin, si on a fait le choix d'être un artiste, ou un communicateur, euh, c'est mon cas, donc j'ai enseigné toute ma vie tout en étant musicien professionnel, euh, ben, je pense que c'est probablement la meilleure posture. Donc, pour répondre plus brièvement à la question, euh, c'est clair que les arts occupent, et la culture occupent une place absolument fondamentale et centrale dans ma vie. C'est la première préoccupation. Que j'ai presque au réveil et qui, euh, qui occupe beaucoup de mes activités quotidiennes, bien sûr, euh, autour de toutes les autres activités qui, euh, comme je le disais auparavant, sont comblées, c'est-à-dire euh, avoir un endroit confortable, être entouré de gens qu'on aime, puis euh, pouvoir communiquer, avoir des occasions de, 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 donc, de transmettre ce que l'on aime, puis prendre soin des gens que l'on aime. Mais l'art est toujours à quelque part là et bon à preuve euh, ou bon, enfin une manifestation de ça, moi je suis extrêmement heureux quand je vois mes proches, donc mes enfants, mes fils qui font de la musique ou de l'art, euh, des arts visuels et euh, euh, mes, mes petits- enfants aussi, euh, mon épouse. Donc quand je vois mes proches, euh, faire des choix de créativité, euh, je suis fier d'eux et je suis fier pour eux. Et je sais que ça leur apporte quelque chose de précieux, de qualité de vie, de qualité de vie bien au-delà du matériel. Alors, euh, je pense que ça répond à la question. Les arts et la culture, euh, je vois deux aspects de ça dans notre société. Alors, je pense qu'en en, en premier lieu, on doit euh, avoir accès à des, à des, euh, des moyens, des équipements, euh, des installations, des infrastructures pour euh, exprimer notre créativité, donc faire de l'art, sans que ce soit nécessairement euh, un métier ou qu'on soit rémunéré pour le faire. Donc, je pense que la place des arts et de la culture est de, un, tout le monde, et bien sûr, euh, comme enseignant depuis près de 50 ans, euh, que des jeunes, tout au long de leur cheminement, puissent avoir accès à des équipements. Et moi, qui ai qui né dans les années 50, bien sûr, il n'y avait pas nécessairement les mêmes, le même accès aux arts, mais en même temps... Euh, il y avait aussi beaucoup moins de sollicitations autres. Bon, évidemment, je suis obligé de parler de, de tout le temps que les écrans prennent dans nos vies. Ça n'exclut pas que ça puisse être un, un médium pour faire de l'art. Euh, par exemple, j'ouvre une parenthèse comme ça, euh, comme à peu près tout le monde, euh, euh, j'ai un téléphone intelligent, mais je commence toujours ma journée en allant marcher avec mon téléphone intelligent et je fais des photos où je cherche la beauté, et je pense que je la trouve. Ça, pour moi, c'est une démarche artistique sans prétention. Il n'y a, a pas de sous d'impliquer jamais. Je fais juste offrir mes images euh, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde, euh, si je parle de la société et de l'accès à la culture et aux arts, tout le monde devrait pouvoir euh, accéder à des façons. Euh, de, 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 de faire de la musique, de faire de la danse, de, de, de faire des arts visuels, graphiques, euh, du théâtre et tout ça. Ça, pour ça, c'est, je trouve ça, important. Donc, toujours avoir une façon d'exprimer sa créativité. Encore faut-il qu'il y ait des, des, des choix de fait par les, les municipalités, par les gouvernements à tous les niveaux pour que ça puisse être possible, facile, et par le biais des écoles bien sûr, mais une fois adulte, par le biais par exemple des installations municipales, peu importe la municipalité, la région et la dimension de la municipalité, pour que ça puisse être possible. Ça c'est pour moi extrêmement important. Et d'autre part euh, avoir accès à la performance des autres. Donc, si on veut que les gens euh, soient sensibles aux arts, sensibles à la musique, qui est pas nécessairement la musique euh, mainstream qu'on entend toujours à la radio ou enfin tout ça, ben il faut que euh, la population, les jeunes par le biais de l'école euh, probablement, et les adultes par le biais des organisations municipales et autres euh, puissent avoir accès à euh, des spectacles, à des expositions, euh, à, à des performances de toutes sortes, créatives, accessibles, euh, abordables, et les deux, les deux sont connectés, dans le sens où si un jeune est sensibilisé à la musique classique, le jazz, la musique du monde, je vais parler de la musique qui est mon domaine, ben, il a, on, on aura plus de chances de voir ce jeune-là... Euh, Choisir d'aller entendre un spectacle qui est dans un créneau qui n'est pas nécessairement commercial. Alors, c'est pour ça que si on donne accès à la pratique d'un art, même s'il n'y a pas des performances euh, euh, remarquables, mais juste le fait de, de, de faire une démarche créatrice, c'est déjà un, un bénéfice que chacun en retire ou devrait en retirer. Et ensuite, le fait le fait qu'on ait été sensibilisés à ça, ça fait que nous devenons de, de meilleurs euh, citoyens, de meilleurs humains, ça c'est sûr pour moi, et des, des gens, des citoyens qui vont être plus à même de, de, de choisir d'aller entendre et voir des manifestations artistiques et culturelles. Alors, c'est ça la place dans la société, et ça doit être du début de notre vie à la fin de notre vie, et partout, partout, que ce soit une petite municipalité. Euh, très, très, très euh, euh, éloignés, ou bien sûr, les grandes villes. Alors, c'est vraiment ce que ça représente pour moi. Alors, si on parle de, de la culture et des arts dans les Laurentides, euh, je dirais spontanément que la place que devraient occuper euh, ces valeurs-là, dans les Laurentides, devrait être la même partout, hein, pour faire suite à, ma, à, à, la, à la question, à la deuxième question. Et euh, je pense que c'est une question de complémentarité. Alors, c'est sûr que dans les Laurentides, qui est une région quand même assez étendue en, en termes de territoire, il ne peut pas, je pense, y avoir... Euh, ben, il, ça serait difficile d'avoir... Euh, des, des infrastructures euh, très complètes et très professionnelles dans tous les médiums d'art, dans tous les, les, les domaines des arts, dans chacune des municipalités. Donc, moi, je vois une complémentarité. Bon, l'exemple, évidemment, qui est facile pour moi, c'est par exemple euh, le, le diffuseur euh, de Prévost, qui est diffuseur amalgame depuis 30 ans, euh, dans lequel je suis impliqué euh, comme bénévole. Bien, je veux dire, a un créneau et ce créneau-là euh, est complété par d'autres diffuseurs. Euh, euh, par exemple, à, à Saint-Sauveur, avec euh, le Festival des Arts, euh, tout ça, la danse, euh, Bon, euh, Théâtre Gilles de Vigna à Saint-Jérôme. Donc, il faut qu'il y ait une complémentarité de sorte que dans un, une région, donc on parle des Laurentides cette fois-là, dans une région donc, donnée, à proximité, euh, à l'intérieur de, je ne sais pas, moi, 20 minutes, une demi-heure, euh, à peu près de route, on puisse avoir accès à toutes les formes d'art. Maintenant, ils pourraient, bien sûr, en avoir davantage, bien, enfin. Mais je pense que euh, ça dépend toujours des, des volontés des décideurs ça dépend toujours aussi du dynamisme et, et j'allais dire, de la combativité euh, euh, des, euh, des intervenants en art et des organismes pour toujours talonner les autorités pour leur dire ça nous prendrait des équipements. Euh, qui soit mis à jour, plus approprié, On pourrait, par exemple, pousser sur certains événements. On pourrait, euh, euh, par exemple, euh, initier un, un festival de telle choses. Et c'est ce que je pense qu'on s'efforce de faire à, à Prévost avec, avec euh, Diffusion Amalgam. Mais il y a des actions comme ça partout dans les Laurentides. Alors, je pense que l'important, c'est qu'il faut que ça continue d'augmenter parce qu'on est toujours en compétition avec des sollicitations Facile. Euh, pour toutes sortes de, rais de raisons, les gens, des fois, vont, vont, moins dé vont décider de moins sortir et tout ça. Bon, on vient de sortir d'une pandémie, c'est clair que ça l'a beaucoup euh, euh, affecté le domaine des arts, entre autres, peut-être davantage que d'autres domaines parce que c'est évidemment pas évident d'assister et de performer devant un écran par rapport à, au fait d'être dans une salle ou sur un plateau pour, ou dans un musée. Pour euh, diffuser l'art. Mais c'est ce que je pense donc de, de l'art dans les Laurentides. Alors, mes projets en art et culture, en fait, euh, je vois deux euh, significations au mot projet, deux perceptions. Euh, un projet, on, on pense à se projeter dans le futur, donc... Mais il y a aussi, euh, le, le terme projet désigne tous les, toutes les expériences, par exemple, euh, euh, en ce qui me concerne, toutes les, 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 les expériences, par exemple, en musique, les groupes, euh, les projets d'albums, ainsi de suite. Donc, euh, du point de vue euh, dynamique euh, du mot projet, ben il y a plusieurs... Projets justement musicaux, puis c'est ma priorité. Euh, finalement, mes énergies vont là, euh, ma passion va là. Donc, j'ai euh, plusieurs projets en opération, et avec ces projets-là, pour me répéter, bien évidemment, j'ai des vues sur euh, le futur. Donc, ça donne une autre signification au mot projet. Alors, dans ce qui est en opération, ce qui fonctionne déjà, euh, c'est sûr que j'ai un trio de bossa nova qui s'appelle Trio Brasil avec Richard Leduc et Bernard Ouellette. Donc, euh, c'est un, un projet que j'ai euh, initié lorsque j'ai pris ma retraite de l'enseignement à temps plein parce que j'adore ce style de musique-là et euh, j'ai choisi ces musiciens-là. Euh, si on y va progressivement de cette façon-là, en partant de, de plus petits groupes, j'ai un quatuor qui s'appelle Quatuor Avant-Seine qui est en dormance présentement, mais j'ai le projet de réactiver ce, ce groupe-là. D'ailleurs, il y a des contrats prévus en 2023. Alors, euh, donc, avec euh, toujours Richard Leduc dans ce, dans ce, dans ce projet-là, donc, dans, dans ce concept-là. Euh, donc, est un quatuor avant. Euh, j'ai euh, un, un quintet. Euh, euh, de, de vieux de swing, de jazz avec chanteur. Ça s'appelle un air de swing. Alors, euh, on travaille avec ça occasionnellement. Et ça, euh, je fais de la guitare dans ce projet-là. Euh, J'ai un sextet euh, qui est un nouveau projet de musiciens, euh, de vieux musiciens, donc, qui s'appelle RC Jazz Sextet, qui est un hommage au Jazz Messengers. Et encore là... Euh, je suis toujours dans ma banque de bons vieux amis uh, musiciens professionnels et avec qui je collabore depuis longtemps. Donc Michel charles Richard Leduc, uh, uh, Alain Boyer, uh, Sylvain Bolduc, uh, Daniel Loyer. Donc, uh, ça aussi, c est, c est, ça me tient vraiment à cœur. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Uh, J'ai aussi un groupe uh, celtique. Je participe à un groupe celtique. Ce n'est pas mon projet, mais... je Participe dans ce groupe-là qui s'appelle Celtic Pilgrim, où on est plus, je dirais, saisonnier. Donc, on fait évidemment de la musique autour de la Saint-Patrick, mais à d'autres circonstances aussi. Et dans ce groupe-là, je suis percussionniste. J'ai un combo bi-hebdomadaire. Alors, encore là, plein de musiciens que, que j'ai nommés, d'autres qui s'ajoutent, où on, on fait de la musique à huit musiciens, donc euh, euh, trois saxophones, une trompette, un trombone, une guitare, une basse, une batterie. Et euh, je suis premier trombone dans un big band à Montréal, ça s'appelle le Tonic Big Band, et ça, c'est un band communautaire, mais d'un niveau euh, professionnel. Et avec euh, ce groupe-là, ben, on fait quelques spectacles par année, on pratique à chaque semaine, et ça, donc, avec tout ça, dont disons deux, trois de ces groupes-là, le trio, le sextet, le, le tonic big band qui est plus actif, euh, ça occupe l'essentiel de mes énergies en musique. Euh... Parlant de musique aussi, euh, je me définis comme musicien indicateur. Alors, euh, je continue toujours, même si je n'enseigne plus à temps plein, je continue d'intervenir de, dans des écoles, principalement à la concentration musique de l'école Frenette, où j'enseigne les cuivres. Et aussi, euh, j'anime, je, je dirige à une activité parascolaire en big band, en stage band. Alors, pour moi, ça, ça, ce sont des projets euh, Important, euh, je trouve ça important, je le disais dans des, dans des réponses antérieures, de sensibiliser les jeunes, de leur offrir l'opportunité de, de, de faire de la musique, d'entendre des musiques différentes pour qu'ils deviennent de, de meilleurs auditeurs, pour continuer de garder la scène culturelle vivante. Et euh, d'autre part, euh, euh, je continue toujours de m'impliquer comme bénévole à Diffusion amalgame. Alors ça aussi, c'est un, un magnifique projet qui dure de plus près de 30 ans. Et euh, ça, ça me tient à cœur parce que c'est dans ma communauté à Prévost. Euh, on a une équipe de bénévoles extraordinaire. Euh, et, euh, on présente euh, euh, une vingtaine de concerts euh, professionnels de haut niveau avec plusieurs artistes de calibre internationaux. Et moi, ben, je, je m'occupe de ça comme président du conseil d'administration. Alors ça, c'est vraiment un très beau projet qui, qui est sur le long terme. Alors ça, c'est excellent. Et euh, finalement, un autre projet qui est déjà en cours, mais euh, que je vois dans la continuité et dans le futur, c'est le fait de capter des images de ma communauté, surtout des images de nature. Alors, je fais de la photo euh, pas mal quotidiennement et je présente, comme je le disais ça aussi dans une réponse précédente, mes images euh, euh, sur les réseaux sociaux et j'aurai le projet éventuellement de, de, de faire une exposition, de présenter une exposition euh, virtuelle des, de mes plus belles images, juste pour les partager comme ça. Et, euh, Bien, je pense que ça, ça résume pas mal euh, les projets que j'ai. Je pense que c'est quand même euh, suffisant pour euh, occuper euh, de façon euh, créatrice, constructive et agréable et valorisante euh, ma vie euh, culturelle et artistique. Ma vision de, de, des arts et de la culture de, de, dans un monde idéal, je, je, tiens, je viens d'avoir un, un flash, ça se rapporte à, à ma carrière d'enseignant, en, euh, ce serait qu'on ne voit plus jamais, par exemple, dans des décisions qui sont prises dans des institutions scolaires, euh, qu'on ne voit plus jamais le, le, le retrait ou la... la, 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 la la réduction de la place des arts dans les grilles horaires. Ça a l'air très terre-à-terre, terre, mais en tout cas, moi, je pense que euh, pour le bienfait, pour, euh, pour tout ce que ça apporte à, à un jeune, puis à un adulte, puis à un jeune qui est en développement, de pouvoir faire des arts, euh, d'apporter de la motivation, bien, si la place qui était donnée aux arts dans l'éducation, Partout sur la planète, puis on sait qu'il y a des c'est très inégal. Il devrait avoir, dans le fond, mon rêve, ce serait qu'il y ait un minimum protégé et qu'il ne soit jamais charcuté parce qu'on a besoin d'un peu plus de temps dans telle autre discipline, telle autre discipline. Je ne veux même pas nommer les disciplines parce que je suis tout à fait conscient que toutes les disciplines sont importantes. Mais euh, ce qu'on donne aux arts, ça. ça ça n'enlève rien aux autres. Ça ne devrait jamais être perçu comme enlever de quoi aux autres. Et j'ai un flash, mais ça fait partie de l'explication de mon rêve. J'ai vécu souvent en plus de 40 ans dans les écoles euh, qu'à un moment donné, on se dit on a besoin de plus de temps dans une autre discipline, il manque de temps. Et on enlève une ou deux périodes dans une grille horaire euh, aux arts et à la musique en ce qui me concerne. Et là, à la fin des étapes dans une année scolaire, euh, j'ai des élèves qui viennent cogner à ma porte et qui me disent On a tout fini euh, euh, le programme dans telle matière, est-ce que je peux venir pratiquer Ou euh, des enseignants de d'autres matières qui nous disent euh, Est-ce que je pourrais t'emprunter des instruments J'ai un projet dans telle matière où je voudrais que les jeunes fassent de la musique ou fassent du théâtre. Ou, Donc, finalement, la place des arts, elle devrait toujours être protégée parce que ça n'enlèvera jamais rien à, à, aux autres disciplines. Parce que le, 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 la créativité euh, et toutes les. A... En fait, tiens, euh, j'ai une, une autre parenthèse qui, qui me vient à l'idée. Euh, dans les formations qu'on avait sur les formes d'intelligence dans les journées pédagogiques, euh, parce que les journées pédagogiques qui sont bien préparés, c'est des journées précieuses. Hein, J'espère qu'il n'y a pas encore des gens des, dans la société qui pensent que ah, les profs sont encore en congé, c'est une journée pédagogique. Non, ce n'est pas, pas un congé. On travaille des choses. Et une des formations qu'on avait sur les, euh, les intelligences multiples, les huit formes d'intelligence, euh, il y avait une discipline qui rassemblait toutes ces formes d'intelligence-là. Il n'y en a pas beaucoup de disciplines qui les rassemblent toutes, mais c'est de faire de la musique en groupe. Alors, ça touche à toutes les formes d'intelligence. Bon, ça, c'est une petite, petite parenthèse, avec le goût d'ouvrir, mais c'est en lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire laissons et protégeons la place des arts dans le, 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 le cursus, dans le, le cheminement scolaire d'un jeune du primaire à l'université. Ça fera des meilleurs citoyens, plus créatifs. La musique adoucit les mœurs. Bon, je ramène tout à la musique, vous me direz, mais la créativité, je pense que. Ça nous éloigne de la petitesse de, 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 de ce qu'on peut être comme humain. Je pense que ça, j'aurais le goût de conclure avec ma, ma fameuse pyramide où la, la, la réalisation de soi au sommet de la pyramide nous est procurée entre autres par l'exercice d'une activité créatrice et aussi le fait d'être témoin, d'assister à, à une activité qui nous élève. Donc, mon rêve, c'est que la place des arts soit conservée, augmentée et protégée dans tout le processus, dans tout le cheminement scolaire, partout sur la planète. Évidemment, c'est un rêve. De sorte que, comme adulte, si on avait ça, bien, je pense que, conséquemment, euh, il y aurait des besoins et il y des citoyens qui auraient le goût et le besoin de continuer d'être exposés aux arts et de pratiquer les arts. Et conséquemment, bien, je pense que euh, les autorités n'auraient pas le choix de répondre à ça en supposant que ces autorités-là et les gens dans les comités, les conseillers et tout ça aient eu aussi cette chance et ce privilège d'avoir été euh, exposés aux arts et d'en avoir profité. Donc, je pense que c est, c est, pour moi, c'est un, un monde de rêve. Il y aurait beaucoup moins de conflits, ça c'est certain.